Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Hey, vous avez vu, j'ai un super t-shirt. Et oui, pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant et donc qui n'ont pas encore fait leurs petites emplettes, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Vous pouvez trouver des t-shirts pour hommes, femmes, enfants, des sweats à capuche, des pulls, des t-shirts manches longues, des mugs, des chaussettes, des coussins, des bodys. Et je précise que tous les articles sont de qualité premium pour votre confort, il n'y a pas de bas de gamme. Et vous les trouvez dans toutes les tailles et dans plusieurs coloris. Et juste entre nous, ce t-shirt là, il coûte même pas 20€. Pour accéder à la boutique, c'est vraiment tout bête, il suffit simplement de cliquer sur la petite notif qui est là-haut, ou sinon le lien est dans la description de cette vidéo. Et je vous donne un petit peu plus de détails sur la boutique dans la vidéo correspondante. Vous pourrez cliquer dessus à la toute fin de cette vidéo. Ou sinon, il y a comme d'hab la petite notif ou le lien en bas. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre un petit exercice, un petit warm-up qui est vraiment super facile à comprendre et terriblement efficace pour travailler vos doigts, vos poignets, le contrôle des baguettes, les accents, les nuances, la dynamique. Pff, franchement, je l'adore, c'est un de mes préférés. Comme vous avez pu le lire dans le titre, cet exo se compose du moulin numéro 1, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, et du moulin numéro 2, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Alors c'est tout bête, il suffit simplement de les enchaîner, mais en accentuant la première double du moulin numéro 1, donc c'est-à-dire chaque temps, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, et la quatrième double du deuxième moulin, d'accord? Droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche. Et forcément, quand on les enchaîne, on se retrouve avec deux accents d'affilée. La quatrième double du deuxième moulin et la première double du premier moulin. Je vous fais tourner lentement pour bien que vous compreniez la mécanique. Et deux fois de chaque, c'est la version que je fais le plus souvent. Et quand vous le faites tourner, vous pouvez très bien choisir de le faire juste une fois de chaque, ou deux, ou quatre fois. C'est à vous de construire votre exercice. Là, par exemple, je vais le faire tourner un petit peu plus rapidement, en commençant avec deux fois de chaque, une fois, quatre fois, pour revenir à deux fois. Vous avez remarqué le travail de la main gauche ou main droite si vous êtes gaucher quand on enchaîne le premier et le deuxième moulin? Et ouais, elle bosse plus que l'autre car elle enchaîne quasiment tout de suite ces deux petits coups. Donc excellent petit travail pour développer votre main faible et le jeu de ghost note. Et je vous apprends comment décliner ce petit warm-up sur tout le kit pour travailler votre coordination avec par exemple la grosse caisse, charlet au pied, une basse samba, les toms, les cymbales, la caisse claire, enfin bref, tout ce que vous voulez dans la vidéo correspondante. C'est simple, hein, comme d'hab, il suffit de cliquer ici où le lien est en bas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, et comme je vous le dis à chaque fois, le petit pouce en l'air si elle vous a plu, merci beaucoup, et je le répète encore une fois, mais c'est important parce que ça me fait remonter dans le référencement YouTube. Donc si vous aimez bien mes vidéos, et si vous voulez qu'elles soient encore plus vues par plus de monde, je compte sur vous. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait pour être les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo, ou alors des petites news que je balance de temps en temps dans la rubrique communauté. On va faire un petit tour sur ma petite boutique en ligne pour faire vos petites emplettes, je vous remercie beaucoup, et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, vous la connaissez par cœur cette fin, hein. Ouais voilà, d'accord. Faites-vous plaisir. Je l'ai pu. Bye.